Et bien salut à tous, c'est Dr Kekovac, j'espère que vous allez bien, pour avoir ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour vous présenter un tout nouveau véhicule qui va arriver aujourd'hui sur le jeu. Rockstar a fait fort pour Halloween, il nous sortit enfin le véhicule A3 roues, ça faisait un moment qu'on l'attendait. Il est sur le site de Legendary, c'est la Western Rampant Rocket à 925 000 $, donc il a l'air what the fuck, ça c'est sûr. Après à voir ce qu'on peut mettre dessus, clairement. Et puis aussi, quand je me suis connecté au jeu, j'ai vu une notification, attendez, je vais vous la retrouver. Il me semble que les payouts sont enfin disponibles sur GTA 5 Online. Voilà, regardez, je vais dans Aide et en deuxième notification, j'ai soyez à l'affût pour opérer les plans de payouts qui ont fait leur apparition un peu partout dans l'Ossortos et Blancouti. Donc, pour Halloween, Rockstar ont fait fort, ils ont sorti le fameux véhicule A3 roues et puis ils ont sorti les payouts. Peut-être que je testerai ça dans la journée, je verrai bien. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, à vous abonner, bref, toutes les choses habituelles pour le développement de la chaîne. Allez, sans plus tarder, je vais faire un tour du véhicule. Franchement, super what the fuck. Hein. Je pense qu'il y a moyen de se taper des délires avec, clairement. Franchement, je pensais pas qu'ils allaient sortir aujourd'hui ça pour Halloween. Hein. Alors, on va monter dessus. Oh, je pense pas besoin de mettre une vue intérieure. Hein. Je pense que tout le monde a assez à quoi s'attendre, voilà. Allez, c'est parti pour la customisation. Du coup, je sais pas quel type de véhicule c'est, si... Ah, c'est une moto, voilà. Une moto. Alors, le blindage, on va à fond. Les freins à fond. Les moteurs, on a quoi? Les filtres à air, on a l'aérateur à double filtre. L'aérateur à filtre unique. Butt catcher, ouverture ovale. Butt catcher, triple ouverture. Bon, allez, on va mettre triple ouverture. Hein. Vu qu'il voit the fuck, on va essayer de mettre un peu plus encore. What the fuck? Le moteur à fond. Le classement, on s'en fout. L'éclairage, on met les phares aux xénon. Les motifs, alors, on a quoi de beau pour ce véhicule à 3 roues? Média moderne. Ouais, ça va. Rage impuissante, ce qui peut aller avec le véhicule, je trouve. À l'attaque, ça va. Les Lost, assez stylé, ouais. Das Ladzus, je pense un motif un peu allemand, qui passe bien aussi avec le véhicule. Course à l'effeuillage, ouais. Cigarette Extensia, j'aime pas trop, un peu ce marron, ça fait. J'aime pas. Grosse saucisse, mort de rire. Ils ont osé faire ça, Rockstar. Mort de rire. Un motif assez what the fuck également. Cerise sur le gâteau. Heureux et simple d'esprit. Oh, j'aime bien avec le rouge devant comme ça. Ça fait un peu sang. Et voilà. Donc je pense que je vais mettre soit un motif comme ça, ou soit les derniers motifs qu'on a eu là. Ou soit je mets un complice complètement what the fuck comme la grosse saucisse. Ah, pour avoir vu que c'est un véhicule what the fuck, pourquoi pas rendre un truc what the fuck aussi. Après, je vais pas m'éterner là-dessus. Le Lost aussi est pas mal, mais je pense que soit je mets lui. Bon, allez, on va mettre lui, on verra bien après si on change. Donc la plaque, 0. Peinture, on verra après. Transmission, à fond. Turbo, à fond. Les roues, on verra après. Du coup, la peinture là-dedans, on peut mettre quoi? En noir, ça passe bien, non? Après, c'est que tu mets souvent du noir sur mes véhicules. En rouge, on voit rien. Bah, ça fait que le véhicule en rouge, quoi. Mais en métallisé, on peut avoir quoi? Genre du noir métallisé. Ouais. Je pense que je vais plutôt partir sur du noir qu'on a d'habitude. Ou moi, je laisse en blanc. Parce que ça, tout ça a un petit style. Je vais toujours mettre en noir à chaque fois, c'est un peu pénible. Et si je remets le motif grosse saucisse, si ça a à voir un lien avec la couleur, je pense pas, mais bon. Attendez, il est là. Ouais. Pourtant, j'hésite vraiment sur le motif. Hein. Pourtant, je devrais éviter. Mais bon, écoutez, bah, on va mettre. Je sais pas. Bon, allez. On va laisser. Allez, on va mettre lui pour what the fuck. Voilà. Au moins, on aura un gros taux de what the fuck. Je sais que ça se dit pas, mais voilà. Donc, on va sortir du rez-de-chaussée. Normalement, j'ai rien oublié. Parce que vu que c'est une moto, il n'y a pas grand chose à modifier finalement. Je vais quand même regarder parce qu'on sait jamais. Hein. Des fois je loupe des trucs et après on me le reproche en commentaire. Ok, c'est bon. Le classe, on s'en fout. Ouais, c'est bon. Motif, ouais. Plaque, ouais. Peinture, ouais. Transmission, ouais. Turbo, ouais. Et les roues, ouais. Voilà. Donc on va voir comment il se comporte. Donc on dit, je pense pas que c'est le meilleur véhicule pour conduire, hein, clairement. Mais bon. On peut toujours délirer en session avec. Hein. Alors. Hop, alors sans bruit. Qu'un bruit classique. Hein.
Allez, c'est parti. Je vais peut-être augmenter un peu le son du jeu si vous entendez mal. Hop, voilà. Putain, ça fait what the fuck du coup. Putain, ça fait un moment qu'on l'attendait quand même ce véhicule. Il était dans les fichiers du DLC Casino depuis le mois de juillet, puis il sort qu'au mois d'octobre pour Halloween. Ils ont bien choisi leur date. Oula. Déjà, il tourne bien, après je pense qu'au virage ça va pas être la même, hein, clairement. On prend ma frein, un coup de frein. Oh, en vrai ça va, regardez comment j'ai bien pris le virage. Je sais pas si dans les courses de moto on pourra les prendre, genre en course casque ou moto, même en... Oh, imaginez les parcours avec ça, ça va être what the fuck, il y a moyen de se taper des barres avec ça, je pense. Ouais, en vrai ça va. Oh putain, bah j'ai volé, hein. Moi le véhicule je lui mettrais 7 sur 10 pour son côté what the fuck. Après niveau performance ça a l'air de passer, après c'est une moto donc faut pas avoir grand chose. Mais bon j'aime bien avec les deux roues ça fait complètement, je me répète mais c'est la réalité hein. Je pense que vous verrez aussi. On va prendre le 20 virage là-bas puis je pense qu'on se laissera dessus. Il doit sûrement aussi avoir les masques dans Halloween, n'hésitez pas à jeter un oeil vu que c'est Halloween je pense. Ils ont dû tout ajouter, peut-être des vêtements aussi, en plus. Bon, on va tourner au virage au fond, là-bas. Hop. Oh non, mais en vrai, elle tourne bien. Oh, je suis choqué. Après, une moto, je pense que ça devrait pas déraper, hein, aussi. Bon, bref, je pense qu'on va se laisser là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous répète, les pilotes sont, je crois, il me semble que j'ai vu une info. Voilà, les pilotes sont enfin disponibles. Il me semble que je les avais pas vu cette info avant. Donc, si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je puisse le corriger par la suite. Voilà, donc le véhicule il coûte 925 000 $. Si je dis pas de conneries sur Legendary Ace, donc ça va. Après, pour ceux qui ont pas assez d'argent, n'hésitez pas à l'acheter. Qu'est-ce que je raconte? Pour ceux qui ont assez d'argent, achetez-le. Voilà, et puis ceux qui ont pas assez d'argent, et bon. Évitez de l'acheter, après si vous voulez vraiment faire des délires avec vos amis en session avec ce véhicule, bah achetez-le quoi. Et je vous montre également sur le site de Santa San Andreas, normalement il n'y a rien, voilà. Voilà, excusez-moi pour le bugaiement, j'étais un petit peu fatigué, je viens de me réveiller, donc voilà. Bref, c'était Dr. Cacahuète, ciao tout le monde.